tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, quelle espérance, quel immense amour. Cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer, c'est à suivre et c'est obéir. Aimer, oui, c'est vivre et s'épanouir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien.
suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je ressens ton cœur battant en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Pour moi,
de tristesse, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse, oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes, oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre, oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Et mon
Et tout le monde qui est sorti de tous côtés. Sorti Brooklyn, Long Island, Papa Blanc, Mabel. Merci. McKinley, I love you and you know that. Thank you. Thank you for supporting me. Jamia, thank you. God bless you. Sur l'univers.
puzzle se construit. Dans moins de 100 jours, la troisième édition des 40 jours de prière sur MEODH aura lieu, du 28 février au 8 avril 2023, autour du thème « Nul n'est comparable à toi, ô Éternel ». Jérémie 10, verset 6. Les commissions travaillent. Les prédicateurs s'échauffent. Les internautes attendent. Prions pour la plus grande réussite de cette édition. Préparez-vous pour y participer, afin de recevoir une nouvelle portion de bénédiction en 2023. MEODH, le réseau de la dernière heure. L'amour, il y a de la vie. Où il y a de l'amour, il y a de la vie. Une existence sans amour, quoi que l'on possède par ailleurs, est une vie sans but. Aucune vie n'a de but sans amour. Je relis pour vous. Où il y a de l'amour, il y a de la vie. Une existence sans amour, quoi que l'on possède par ailleurs, est une vie sans but. Je l'ai dit avant de commencer, je ne serai pas seul, heureusement pour vous. Je serai accompagné, comme vous le voyez, comme vous pouvez le constater, d'une jolie demoiselle. Elle aura à se présenter. Vous allez nous excuser car on ne va pas présenter la cérémonie avec une lenteur. On est trop en retard, je dois l'avouer. Je cède ma place à cette jolie demoiselle. Elle va se présenter et je pense ensemble. On va vous servir. On va vous offrir une cérémonie à nul autre pareil. Merci. Merci Clarence. Bonsoir à tous. Je suis Anne-Dorie Christy-Réjoui et en cet après-midi, je suis heureuse d'être avec vous, les heureux témoins de la cérémonie nuptiale de Michel-Ange Launay et de Bertoni Sineus. Je vous rappelle que nous sommes le lundi 26 décembre 2022 et que nous sommes là pour assister à l'union de ces deux cœurs. Nous allons rapidement commencer avec la rentrée du cortège. J'espère que les membres du cortège sont prêts et que le responsable technique l'est également, car nous allons rapidement commencer avec la rentrée du cortège. Et c'est le porteur de la Bible qui va fouler l'estrade, fouler le parterre en premier. Et c'est qui le porteur de la Bible? C'est bien Kensley Ryan Jean-Baptiste. Je reprends le nom. C'est bien Kensley Ryan Jean-Baptiste. Et il s'avance avec la Bible en main. Cela symbolise donc que la Bible sera l'élément de base de leur relation. Le livre des livres est entre ses mains. Exactement. Il avance rapidement. No one else will. Suite après lui, nous avons l'annonceuse du cortège. Emmanuela Henry. La jolie Emmanuela Henry. Elle avance sur d'elle, très belle.
très belle, très 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 belle. Moi-même, j'adore toutes les couleurs. Alors cependant, les couleurs qui ont été choisies ce soir pour cette cérémonie sont extraordinaires. Mais je reprends pour vous, j'adore toutes les couleurs. Exactement. Et ces couleurs sont bien l'orange et le vert. C'est pas n'importe quel vert, c'est le vert menthe. L'orange. Je n'ai pas cessé de le dire, elle est belle. Montre-moi la voix. Elle est sublime, elle sourit. D'honneur, Adassa Henry. Garde-moi Adassa Henry. Précimé Chama. Les fillettes d'honneur, c'est bien Adassa Henry et Précimé Chama. Elle s'amène. Elles sont toutes belles. C'est une belle cérémonie, une grande cérémonie, et on n'a que de belles personnes. Demandons à Linda et Kate Cadet de se préparer, à Mademoiselle Naïka, Marc, Gilles et Clédel Luma de se préparer également. Nitli, Alcius et Lubens Salomon, Noël Francisca et John Alex. Et enfin, Wilda Blanc et garçon, mère Charles. Attire-moi à toi,
De la musique, s'il vous plaît, de la musique, s'il vous plaît. De la musique, s'il vous plaît. Alors, je reprends le nom des demoiselles et garçons d'honneur. Il y a Linda et Kate Kader. Il y a Naïka, Marc, Gilles et Clédel Luma. Il y a Midli Alcius et Lourbain Salomon. Noël Francesca et John Alex. Et enfin, Wilda Blanc et Gerson. Mère Charles. Je peux voir ta gloire dans le ciel. Là, tes pieds. Je vous pouvez les regarder. J'adore leur tenue. Ah oui, vous pouvez les regarder. J'adore leur tenue. J'aurais bien aimé être à leur place. Malheureusement, je suis là. Là où je suis pour vous servir, accompagné d'une jolie demoiselle, c'est bien Dori. Saint, tu es saint. Saint, Seigneur, tu es saint. Et pendant qu'il s'avance au son de la musique, je suis éberluée, je suis enthousiasmée de dire que les couleurs, le jeu de couleurs est extraordinaire. Nous avons l'orange, l'orange qui est le symbole de l'énergie, de l'ambition, de la positivité. L'orange qui est la couleur de l'imagination, de la richesse, de l'honneur. Et également le vert qui symbolise l'espérance, la nature, l'immortalité, la jeunesse, la fécondité, le calme. Nous demandons à Monsieur le Prince et sa princesse, à savoir Lawrence, Deraz et Joas Saint-Fleur, de suivre les demoiselles et garçons d'honneur. Je reprends. Nous demandons à Monsieur le Prince et sa princesse de suivre les demoiselles et garçons d'honneur. Puisque nous n'avons pas le temps, nous demandons au prince et à la princesse de bien vouloir s'avancer sur cette même musique, en même temps que les demoiselles et garçons d'honneur. Nous demandons au prince et à la princesse de bien vouloir s'avancer, ainsi que les couples d'honneur. Nous les appelons, ils sont le couple Philidor Rock Hudson et le couple Blaise Joanner. Ils sont priés de s'avancer maintenant, car malheureusement nous n'avons pas assez de temps. Tandis que les demoiselles et garçons d'honneur prennent place, nous appelons le prince et la princesse et les couples d'honneur et nous les demandons de bien vouloir s'avancer. Le prince et la princesse, s'il vous plaît. Le prince et la princesse, ou du moins le prince et sa princesse, s'il vous plaît. Avancez, avancez,
On n'a pas toute la soirée, malheureusement. On est en retard. De la musique, s'il vous plaît, de la musique. Nous demandons au prince et à la princesse, au couple d'honneur, et pourquoi pas les témoins, de s'avancer sur cette même musique, car malheureusement, nous n'avons pas le temps. Le prince et sa princesse, les couples d'honneur, les témoins sont priés d'avancer, s'il vous plaît. J'adore cette musique. J'adore cette musique. C'est une très belle musique. Je reprends. Le prince et sa princesse, les couples d'honneur, les témoins sont priés d'avancer, s'il vous plaît. Sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Préparez pour nous, s'il vous plaît. Les semeuses de pétales, à savoir Eustache Anaïka, Anne-Mélissa Salomon, Mathieu Adassa, Anna Marley, Jolie Jean. Préparez pour nous, s'il vous plaît, les semeuses de pétales. On doit avancer rapidement, on doit avancer rapidement. On n'a pas toute la soirée, on est déjà en retard. On doit avancer malheureusement. Demandons aux responsables techniques de changer le son, si possible, pour les couples d'honneur, si ce n'est pas la même musique. Nous appelons à nouveau les couples d'honneur. Ils répondent au nom de... En fait, c'est le couple Philidor ou Orkusson. Et le couple Blaise Joanner. Nous appelons également les témoins. Mackens Pompilus. Alors c'est Daphne Prévaljean. Mackens Pompilus. Mimose da Zema et Étienne Allemand. Pendant que les couples d'honneur s'avancent, il faut dire que cette fois-ci, ce sont des couples mariés. Donc, ce sont des couples modèles pour le couple qui va se marier ce soir. Ce sont des couples mariés. Nous assistons maintenant à l'entrée des témoins. Les témoins choisis par les fiancés. Nous voyons s'avancer un premier couple de témoins. C'est bien sûr Daphne Préval et Pompilus Mackens. There goes my mind racing. And you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Et pendant qu'il s'avance, très beau et heureux, nous appelons les semeuses de pétales. Elles vont semer le parterre de pétales pour
marquer pour orner le lieu où la reine de la soirée va mettre les pieds. My heart keeps bleeding. I need you now. Oh. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every mountain. Alors je vais essayer. Et à nouveau le nom des semeuses d'hôpital. Eustache Anaïka, Anne Mélissa Salomon, Mathieu Adassa China, Anne Marley Jolie Jean. Elle s'avance, rayonnante. Et les pétales sont des parties de fleurs. Les fleurs sont le symbole de l'amour, de la passion. On ne saurait parler d'amour sans parler malheureusement de fleurs. Bien sûr. Ça n'existe pas. On ne peut parler d'amour sans parler de fleurs. On demande à l'annonceuse de se préparer. On demande à la jolie Rosnerly Fanor, l'annonceuse, de se préparer. Sans oublier les petits mariés, Chérie Leila Seth et Hans Guevara. Chérie Leila et Hans Guevara. Oh, ils s'avancent. Ils s'avancent déjà. Et ils sont très pressés. Très pressés, très pressés. C'est bien Chérie Leila et Hans Guevara, les petits mariés. Et nous voyons de loin l'annonceuse de la mariée. Dès qu'on voit l'annonceuse, on sait déjà que la reine est en route. La reine de la soirée est en route. Après la rentrée de l'annonceuse, c'est bien sûr la rentrée de la mariée, la reine de ce soir. C'est la reine de ce soir. L'annonceuse s'avance. Elle a un boulot. Elle a un rôle. Et son rôle, c'est bien d'annoncer la rentrée de la mariée. Lorsqu'on la voit, on voit que la mariée est proche. Elle scintille, on dirait une étoile. Après l'annonceuse, après la rentrée de l'annonceuse, on aura celle de la reine de ce soir. Je rappelle à tous que la reine de ce soir porte le nom de Lonnay Mikerlange. Si je ne m'abuse, la reine de ce soir porte le nom de Lonnay Mikerlange. Cause you are the reason.
Je ne vois pas encore le roi. Je ne vois pas encore Monsieur Cineus Bertoni. Est-ce qu'il est déjà là? Est-ce qu'il est déjà présent? Je ne le vois pas encore. La reine fait son entrée. Je demande à l'assistance de se mettre debout. Je demande à l'assistance de se mettre debout pour accueillir la reine de ce soir. Voilà. Maintenant, je vois Monsieur Cineus Bertoni. Est-ce qu'on ne peut pas changer de musique pour accueillir la reine de ce soir? Bertoni Cineus est accompagné de ses parents. Il attend sa Dulcinée. Ou du moins, il va à sa rencontre. Voilà. De la musique, s'il vous plaît, de la musique. Bertoni est accompagné de ses parents. La reine. Ah oui, pour la rentrée de la mariée, il y a la chorale Mélodie Croix qui va chanter parce que c'est pas un événement simple voir une reine. De ce fait, la chorale Mélodie Croix va chanter une merveilleuse chanson pour, ou du moins, afin d'accueillir la reine de la soirée. Thank you.
On dit déjà merci à cette fameuse chorale. L'assistance est priée. Alors les gens, vous êtes priés de vous rasseoir s'il vous plaît. Rassoyez-vous. Je salue la présence de mon ami, confrère Asley qui est de l'assistance, qui a de l'assistance. Ça commence. La plus belle cérémonie de l'histoire commence. Ben, il y a les parents qui ont accompagné leur enfant. Il y a papa qui a dit à monsieur, je viens tout juste de te donner ma fille. C'est mon œuvre d'art. Je vous prie, s'il vous plaît, Cineus Bertoni, je viens tout juste de te donner ma fille. C'est mon œuvre d'art. Je t'en prie, s'il te plaît, prends-en soin. Je ne suis pas seul, je ne vais pas cesser de le répéter. Je suis accompagné d'une jolie demoiselle. Peut-être à la fin de la cérémonie, je peux la demander en mariage si elle le souhaite. Vous n'acceptez pas? Ok? Bon, c'est à elle de décider. N'est-ce pas, Dory? Bien sûr. Dory? Donc, c'est déjà la fin de la rentrée du cortège et nous débutons, bien entendu, avec la partie religieuse de la cérémonie de ce soir. Nous avons avec nous sur la chaire les différents siégeants. Nous avons Love Me Etienne, Jean Hérol Milord, le pasteur Sadrach Derismé, le pasteur Duperon Derismé, et nous avons le frère Cadet Abner Aston.
Nous allons introduire les personnes qui auront à siéger en premier. Nous vous laissons, en fait, nous allons céder le micro à Love Me Etienne pour les propos de bienvenue qui sera suivi d'un chant spécial avec Fredna Bonhomme. Merci. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste et il ne s'irrite pas. Il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour permet de tout supporter et il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Aujourd'hui, la relation de Bertoni et de Michel-Ange est sur le point de changer et va prendre une nouvelle dimension, se renforcer, s'épanouir. Ce jour d'espoir pour eux, ils vont confirmer leur engagement l'un envers l'autre. Vous tous, ici, réunis en tant que témoins de cet engagement, nous vous souhaitons la bienvenue et bonne participation à la cérémonie de cet après-midi. Fredna Bonhomme lèvera la voile du programme. Merci. Thank you.
Elle a bien chanté, j'ai apprécié. Vous avez apprécié également, vous l'avez prouvé. Maintenant, on appelle mademoiselle Love Me, si je ne m'abuse, Love Me Étienne, pour la lecture de la parole de Dieu. Alors, après mademoiselle Love Me, on aura Monsieur Milord qui va nous connecter avec le grand Dieu, le Saint des Saints, en utilisant une courte prière. Merci. Je vous demande de me rejoindre debout. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, les versets 23 et 24. Je lis pour vous. Et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. La parole du Seigneur est bénie. Étant debout, fermons nos yeux pour la prière. Éternel notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te disons merci parce que tu nous as permis d'être ici en ta présence en vue de participer à la cérémonie nuptiale de tes beaux enfants et Cineus Bertoni et sa fiancée qui vont s'unir pour la vie. Nous te demandons Seigneur de rester avec eux. Bénis chacun de nous qui est ici au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. L'amour est divin. Celui qui aime est né de Dieu. Et celui qui aime connaît Dieu. Je ne suis pas la mieux placée. Nous avons quelqu'un qui a effectué des études en théologie, qui viendra nous parler d'amour et nous donner des conseils sur les relations amoureuses et familiales. Il répond, bien entendu, au nom de Pasteur Duperron d'Érismée. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, honorables parents, prestigieux fiancés, aujourd'hui, je me sens fier de m'avoir choisi pour prendre la parole dans cette circonstance spéciale, dans le nom du Seigneur, dans le but de prodiguer des conseils aux fiancés, à savoir Michel-Ange Milord, alors Launay et Bertoni Cineus. Vous avez fait un bon choix. Un bon choix, en suivant le plan de Dieu conçu dès la création. Oui, je vous félicite, les fiancés, pour ce choix que vous avez fait, en vue d'être ici en ce soir, dans le but de vous unir dans les liens du mariage. Nous sommes venus aujourd'hui dans la maison de Dieu
pour poser les fondements d'un nouveau foyer chrétien. Une union conjugale contractée dans la crainte de Dieu. Oui, une union conjugale contractée dans la crainte de Dieu rappelle la félicité du jardin d'Éden. Et ce que nous sommes en train de suivre en ce soir nous rappelle l'Éden. C'est un souvenir de l'Éden. Jésus a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oui, une seule chair. Bientôt, ils ne seront plus deux, ce seront un. Oui, nous sommes présents ce soir pour assister à un miracle. Un miracle où un plus un égale un. Oui, vous avez choisi la bonne part parce que vous choisissez de suivre le plan de Dieu. Car Dieu a pris une côte d'Adam et il a formé Ève. Il a mis Ève à ses côtés et dès lors, Adam commence à réciter ce poème. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme en parlant d'Adam. Oui, Dieu a pris une côte. Il n'a pas pris la côte, il n'a pas pris une partie de la tête, ni des pieds, mais il a pris une côte tout près du cœur. Ce qui veut dire, Milord, Bertoni, ce qui veut dire Bertoni, Sinéus, vous n'allez pas dominer sur Michel-Ange. Et Michel-Ange également ne doit pas subir, ou bien ne doit pas également dominer sur Sinéus, Bertoni. Donc, parce que l'os a été pris, donc tout près du cœur. Bien-aimés, nous voulons en ce soir vous prodiguer ces conseils en choisissant Dieu comme compagnon. Vous devez avoir une vie de prière. Vous devez mettre Dieu à la première place. Et quand on a Dieu, donc le mariage, bien votre mariage sera réussi quand on a Dieu au centre. Oui, nous devons avoir Dieu au centre car Dieu veut que nous soyons heureux, que nous ayons un couple heureux, un couple béni, mais il faut mettre Dieu au centre. Chers fiancés, bientôt, vous allez recevoir la bénédiction nuptiale. Et j'aimerais que vous mettiez en application les conseils trouvés dans 1 Corinthiens chapitre 13, en parlant de l'amour. L'amour ne fait rien de mal. L'amour pardonne tout. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc, il doit avoir de l'amour dans votre foyer, cher fiancé. Et j'aimerais vous dire, pour terminer, que si vous voulez avoir un foyer heureux, vous devez avoir de la bonne communication. Oui, vous devez communiquer. Une bonne communication, comme a dit Nancy Van Pelt. Chacun a un caractère différent. Peut-être phlegmatique, mélancolique, etc. Donc, vous devez connaître Michel-Ange. Tu dois connaître le caractère de Bertoni.
Bertoni également, tu dois connaître quel type de caractère a Michel-Ange. Ainsi, vous aurez un foyer heureux. Donc, c'est déjà, je vous souhaite bonne vie à deux. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à un moment très très important. C'est le moment le plus décisif de cette cérémonie. Et dans une cérémonie nuptiale, il y a plusieurs parties. Il y a la partie culturelle ou sociale, il y a la partie religieuse que vous venez d'avoir. Il y a la partie civile. Et maintenant, nous sommes ici pour cette partie civile. Alors, c'est le moment si attendu qui est enfin arrivé. Le moment où Bertoni Sinéus et Michel-Ange Launay vont laisser définitivement le célibat pour s'unir toujours dans le lien sacré du mariage. Et mais juste avant qu'ils prennent cette décision d'or, j'aimerais demander s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a le droit de s'opposer au mariage de Bertoni et Michel-Ange. S'il y en a qui se mettent debout pour dire qu'il s'oppose à cette union. Puisqu'il n'y en a pas, désormais que toute bouche se taise dans la relation de Bertoni et Michel-Ange. Et maintenant, d'après les articles 196 et 198 du Code civil haïtien, le mariage entraîne des exigences. Est-ce que vous m'écoutez, messieurs, dames? D'abord, la première exigence, c'est la cohabitation. Une fois marié, eh bien, vous devez cohabiter. C'est-à-dire, vous allez habiter non seulement dans une seule maison, mais une seule chambre et un seul lit, le lit qu'on appelle le lit conjugal. D'accord, messieurs, dames? Ici, tête pour tête et face pour face et parfois l'un sur l'autre. Et la deuxième exigence, c'est la fidélité. La fidélité l'un envers l'autre. La fidélité de la femme envers son mari et la fidélité du mari envers sa femme. Vous êtes d'accord avec tout cela, messieurs, dames? Et la troisième exigence, c'est l'assistance. Une fois marié, et vous êtes responsable l'un l'autre. Les publications ont été faites régulièrement d'après les articles 63, 64 et 103 du Code civil haïtien. Et c'est pour cela que je vous invite à vous lever pour répondre aux questions relatives. Alors, si vous répondrez positivement, le mariage sera possible. Mais si vous décidez de répondre négativement, eh bien, on peut dire à tout le monde merci et d'être venu. Maintenant, de laisser la salle et puis tout est fini. Mettez-vous debout si vous êtes d'accord de contracter mariage. Mettez-vous debout. Et nous demandons à la marraine de prendre
le bouquet pour nous, s'il vous plaît, qui est entre les mains de Michel-Ange. Et j'aimerais avoir un autre micro, s'il vous plaît. Un autre micro, s'il vous plaît. D'accord. Maintenant, je vais poser quelques questions d'abord à M. Bertoni Sineus. Monsieur Bertoni Sineus, par devant cette assemblée, par devant Dieu, devant les anges qui sont ici, et par devant nous, pasteur adventiste du septième jour et pasteur assermenté, promettez-vous de prendre pour votre épouse légitime, mademoiselle Michel-Ange Launay, pour vivre avec elle dans la sainte institution du mariage, oubliant toute autre femme, pour s'unir avec elle jusqu'à ce que Dieu décide autrement. Oui ou non, monsieur Bertoni Sineus? Oui, pasteur, je le veux. Bien. Il a répondu positivement. Jusqu'à maintenant, pour Bertoni Sineus, ça va. Et maintenant, passez pour nous le micro à mademoiselle Michel-Ange Launay. Mademoiselle Michel-Ange Launay, promettez-vous de prendre pour votre époux légitime monsieur Bertoni Sineus, pour vivre avec lui dans la sainte institution du mariage et oubliant tout autre homme, voulez-vous lui appartenir à lui seul jusqu'à ce que Dieu décide autrement? Oui ou non, mademoiselle Michel-Ange Launay? Oui, pasteur, de tout mon cœur. Bien. C'est bien. C'est bien. Et maintenant, vous voyez que le mariage est possible. Merci. Donnez-moi le micro. Et maintenant, je demande à M. Bertoni Sineus de prendre la main droite de mademoiselle Michel-Ange Launay. Les mains droites, s'il vous plaît. D'accord. Puisque M. Bertoni Sineus et mademoiselle Michel-Ange Launay viennent de répondre positivement aux questions relatives au mariage, nous, pasteur du Perron de Rismé, et moi, pasteur assermenté de Rismé Sadrach, par le pouvoir qui m'est conféré par la législation haïtienne, je déclare que M. Bertoni Sineus et mademoiselle Michel-Ange Launay sont désormais et pour toujours mari et femme. Applaudissez s'il vous plaît. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Monsieur Bertoni, nous allons nous jeter à genoux pour la bénédiction nuptiale. Je pense que cette position n'est pas vraiment convenable pour nous prier. Est-ce que vous pouvez vous agenouiller là où vous êtes? Ok, tenez les mains droites et mettez les mains gauches sur les épaules pour nous, s'il vous plaît, les mains gauches. Et on joint les fronts. Joignez les fronts, s'il vous plaît. D'accord. Et nous demandons à l'Assemblée de se lever pour assister à cette prière. Éternel notre Dieu, notre Père, infiniment nous te remercions pour
cette occasion noble que tu nous donnes d'être ici en ce soir du mardi 27 décembre d'après le récit génésiaque pour prononcer la bénédiction sur tes enfants, la bénédiction nuptiale sur tes enfants Bertoni Sineus et Michel-Ange Launay, ces deux jeunes qui viennent de prendre cet engagement sacré. Merci Seigneur de ce que tu as donné à tes enfants de prendre cette décision d'or. Alors que nous vivons un moment où les jeunes préfèrent vivre dans le concubinage, les jeunes préfèrent vivre dans le plaisir du monde, mais eux, ils ont choisi de venir devant l'autel pour dire oui, ils veulent s'unir dans le lieu sacré du mariage. Nous la remettons entre tes mains, ô Père, toi qui as institué le mariage. Nous te demandons, ô Père, d'être avec ce nouveau couple, d'accompagner ces jeunes dans toute leur vie sur cette terre, de les aider à prendre, à assumer cette responsabilité d'or. Que chaque jour, ils te donnent la première place dans leur relation pour pouvoir faire grandir l'amour, puisque toi, tu es l'amour personnifié. Tu es l'auteur de l'amour. Que tu leur donnes, Seigneur, de vivre dans l'amour l'un pour l'autre jusqu'à ton retour en gloire. Que tu bénisses leurs entrailles, que tu leur donnes des enfants et que tu leur donnes aussi la possibilité de les élever selon ta sainte parole. Que tu les préserves de toutes sortes de maladies qui font rage sur cette terre. Que tu leur donnes la possibilité de prendre soin de leur foyer. Bénis-les spirituellement, physiquement, économiquement, socialement et sexuellement. Fais grâce, pardonne, accepte nos prières. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus, lui qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ok, nous demandons à Bertoni de prendre sa femme pour venir poser leur signature. Merci, pasteur. Chers invités, chers parents, chers amis, je vous présente Monsieur et Madame Sineus. Je demande à l'assistance de bien vouloir applaudir. Thank you.
Les témoins, s'il vous plaît. J'appelle Kildare Barthelmy dans une chanson spéciale. Je reprends, j'appelle Kildare Barthelmy dans une chanson spéciale pendant la signature de l'acte. De cela quelque temps, depuis que vous vous êtes connus, tout est commencé en chantant que l'amour vous a dépourvu de tout mauvais sentiment. Aujourd'hui vous êtes heureux, unis pour la vie. Deux parents de Michel-Ange et deux parents de Bertoul. Je vous souhaite les meilleurs vœux. Soyez bien bénis par la grâce de notre Dieu. Aujourd'hui vous êtes mariés. Et l'amour vous a contagieux. C'est la vie, c'est la vie. Le bonheur a mis son poisson dans vos cœurs. En effet, cher malade, voici ton épaule, tiens-lui la main, prends soin de lui. Et toi, jeune homme, voici ta femme, protège-la, sois-lui fidèle. Ce moment solennel, je vous rappelle ces deux mots. Aimez-vous les uns les autres, c'est le plus grand commandement que le Seigneur nous a donné. Dans les bons, les mauvais temps, aimez-vous sans empêchement. Pour le meilleur et pour le pire, soyez toujours unis. Vivez la vie en chantant. Aujourd'hui vous êtes mariés. Pour la c'est un don si précieux que le Seigneur vous a fait. Et que l'amour vous a contagé. C'est
jouissance dans vos cœurs. En effet, j'aime la voici ton époux, tiens-lui la main, prends soin de lui. Et toi, je n'en voici ta femme, protège-la, sois-lui fidèle. Que le Seigneur dans sa grâce, c'est la vie. Seigneur, dans sa grâce, c'est moi-même. Conduise oui. Tous les deux jusqu'au grand jour final. Ah. Bien. Aujourd'hui, vous êtes mariés, pas vrai? Et c'est Bertoni, votre pasteur Michael Lodge. Mesdames, messieurs, je vous invite à vous lever pour accueillir le nouveau couple. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, messieurs et madame Sineus. Alors, vous allez assister à un mystère, un miracle que je pourrais dire parce que jusqu'à maintenant, pour vous, vous voyez deux personnes, pas vrai? Pour vous, et pourtant la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils étaient entrés deux et maintenant c'est une seule chair. C'est ainsi, moi, pasteur Sadrak de Rismé, j'ai l'insigne honneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous présenter messieurs et madame Sineus. Applaudissez, s'il vous plaît. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas la possibilité de voir le visage de madame, pas vrai? Le visage de madame est voilé. Personne n'a le droit de dévoiler le visage de Michael. Mais il y a un homme qui a ce droit. Il s'agit de monsieur Bertoni Sineus. Il a ce droit, il a plein droit. Maintenant, Bertoni Sineus va nous faire voir le visage de sa femme, comment que sa femme est jolie, pas vrai? Eh bien, monsieur Bertoni, voici votre femme. Voici votre femme. Michel-Ange, voici votre mari, comme le chant vient de dire. Eh bien, Bertoni, c'est votre tour. Je sais que vous êtes un homme très galant, pas vrai? Et on va voir ça dans quelques instants. Doucement, lentement, Bertoni va faire son travail. Ah! Thank you.
Alors je m'excuse auprès de l'Assemblée parce que la dernière fois j'avais mis la charrue avant les bœufs. C'est maintenant qu'on doit dire Monsieur et Madame Sinéus. Nous avons fait chita, s'il vous plaît. Merci. Le plus important, ce n'est pas de se marier, c'est rester marié pour la vie. Ce n'est pas de se marier, c'est rester marié pour la vie. Il y a deux personnes qui vont succéder à Barthélemy, c'est bien Sheila Sinéus et Alendy Lazare. Ces personnes-là vont chanter pour le plaisir des nouveaux mariés. Avant de leur laisser mon micro, je reprends cette phrase. Le plus important, ce n'est pas de se marier, c'est bien rester marié. Tout serait parfait si le monde était un monde de paix comme il ne l'est jamais. Je le laisse aux autres, nous créerons le nôtre. Je connais l'amour est vrai, il ne meurt plus jamais. Un monde parfait brille dans tes yeux. Si le monde pouvait être amoureux, il chanterait comme nous deux. Je sais. Bye.
C'est sûr et certain que toujours l'amour guidera Bertoni et Michel-Ange. Et nous étions venus ici à Morija en ce soir pour assister à la cérémonie nuptiale de Michel-Ange et Bertoni Sineus. Ça a été fait. Maintenant, ils sont mariés et nous pouvons repartir. Et nous repartons en les souhaitant une vie heureuse, une vie remplie de bonheur, une vie remplie de joie, et qu'ils mettent Dieu au centre de leur union, de leur relation. Je vais céder le micro au frère Cadet Abner Aston, qui aura à présenter les propos de remerciement et également à faire la prière finale. Certainement, le premier à remercier, c'est le ciel pour avoir donné l'opportunité de bien commencer et de bien terminer cette grande et belle cérémonie. Les familles Sineus et l'honneur de tout cœur vous remercient pour de grands sacrifices consentis, amis, voisins, famille ou autres, pour votre présence. Oui, le ciel était là et le ciel continue à être là. Alors, que vous êtes remercié et vous allez lever, se lever pour la bénédiction finale. Levez-vous pour la prière finale. Que le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, qu'il nous renvoie de ces lieux avec l'onction de sa paix et de sa grâce, et que particulièrement le Dieu du nouveau couple, Sineus Bertoni, soit resté et accompagné des anciens mariés et des futurs sous peu qui auront à se marier. Que l'Esprit de Dieu soit sur eux, spécialement sur famille et époux Vincent et Sineus Bertoni, et que jusqu'à son retour en gloire, Dieu, tu les visites et tu leur donnes le salut éternel en attendant que tu reviennes, qu'ils jouissent pleinement cette bénédiction, ce privilège, ce don combien important accordé à nous. Entends, pardonne et que la nuit soit agréable dès ce jour pour ce nouveau couple et pour les futurs, bientôt, très bientôt, qui viendront se présenter devant toi pour en quelque sorte confirmer leur vie à deux au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, bonne nuit, bon courage, époux, couple Bertoni, bonne vie à deux, que le Seigneur vous bénisse encore. Thank you.
S. Dieu nous a guidés. Alors, on a été guidés par Dieu. Grâce à lui, on a eu une bonne cérémonie. Maintenant, le temps est venu pour nous de partir. Le temps est venu pour qu'on rentre chez soi. Je vous dis déjà bonne année 2023. Bonne année 2023. Et j'espère que l'année 2023 ne sera pas une mauvaise année et que Dieu va continuer.